ça y est, je le vois. Ayant vu l'affichette disant que la mère Michel avait perdu son chat, d'accord, vous réalisez que le félin qui squatte votre paillasson est le sien. Vous ramenez donc le chat à sa propriétaire qui vous offre une récompense. Ajoutez 150 simflouz à votre foyer. Wouhou! Allez, les affaires reprennent. Donc, alors attends, j'ai pas calculé. Dis Siri, combien ça fait 150 plus 173? 150 plus 173 font 323. Merci. Alors. Hop. Testing sheets. Money. 323. Bah, je préfère les événements chance, en fait. Je cite. Pour vendre vos figurines, boules de neige et affiches, vous êtes obligé de le faire en marché aux puces. Rien n'est dit pour la peinture. Cool, le début de la fortune. Ah ouais, là, ça y est, je suis riche. Elle est où, là? Elle est repartie... Non. Bah, tu vas pouvoir aller manger, allez. Je voulais te faire bouffer des vieilles patates, mais... Par contre, ma grande, on va rester sur la... Allez, on n'est pas un simflouz près. Fais-toi des saucisses. T'es pas végétarienne. Allez, ciao, Brand. Rien n'est dit pour la peinture. Bah, je vais pas en faire pour l'instant, et puis j'irai poser la question sur le sujet du forum directement. Déjà, j'irai lire pour voir si la question n'a pas déjà été posée, et puis éventuellement, je demanderai comment ça se passe. Mmh. Oui, ça sent bon, dis donc. Donc demain, je travaille, magnifique. Oh, bah tiens, Katrina. Ouais, vas-y. Oh, Katrina a fait le ménage, c'est beau. Allez hop. On va reboire un coup. Parce que là, si je bois pas, je meurs. Donc tu manges, c'est ça? Ouais, vas-y, mange. Les toilettes. T'as heureusement qu'il y a les parcs, hein, je vous le dis. Hein. Quoique 310, ça commence à être pas mal. Ah, peut-être pouvoir au moins commencer la construction d'un cabanon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bosser demain. Parce qu'en plus, demain, c'est événement. Et ça, c'est pas bon. Et on va aller bosser demain, faire l'événement. Et quand on rentrera du boulot, suivant l'argent qu'on a, on ira déjà peut-être construire, je sais pas moi, 4 murs, un petit carré, une cabane, un cabanon, une cabane au fond du jardin, un truc comme ça. Enfin, on va trouver un truc, hein. Parce que ça va pas être possible. Alors. T'as pas fini de manger encore. Ah, c'est quand même dommage d'avoir 7 en cuisine et de bouffer comme une clocharde au parc quand même. Allez. Bon, on s'en sort bien. Par contre, elle se la pète toujours autant. Hein. Elle se prend toujours pour une princesse. S'il fait. Mais... Il a bouffé mes hot dogs. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux planter aussi des graines, non? Comme ça. Ah, c'est pas faux. Je vais aller... Ouais, vous avez raison. Allez, on va rentrer à la maison. Et on va planter... Ah oui, mais alors... Il y a les saisons. Je sais pas si les graines de fraises que j'ai... poussent en printemps. Oh, cette galère. Non, en fait, c'était mieux avant, sans les... Je vais me faire tuer. C'était mieux sans les saisons, je trouve. C'est pas vrai. Je suis... Oui, parce que je vais pas avoir l'argent pour construire une serre. Hein. Faut pas rêver. Hein. On va essayer de les planter, ça coûte rien, de toute façon. Enfin, je vais voir si c'est pas la saison. On va voir. Il neige. Faut être sérieux, au printemps. Oh bah punaise, j'aurais mieux fait de rester à Willow Park. Hein. Alors. Printemps. Ah magnifique. Allez. Attends, excuse-moi. Ah, ça va. Bah alors. Ah oui, t'es pas chez toi. De toute façon, on peut les planter n'importe où. Et va planter. Voilà, nickel. Combien ça coûterait de construire un petit cabanon, un petit carré quoi. Fais voir un petit carré.
un truc où je peux mettre un lit, quoi. À 600 simflouz quand même. Ah, putain! La vache! L'immobilier est cher, hein. Non, bah laisse tomber. On va continuer à vivre au parc un moment. Hein, le parc, c'est bien. Non, mais c'est sympa. C'est... Oh, merci Maëva pour le follow. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Oui, non, je disais, le parc, c'est bien. C'est fleuri. C'est convivial. Il y a toujours du monde. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis quand il commencera à faire trop froid, au pire, on ira squatter le parc d'Oasis Spring. On va bien trouver une solution. On va y arriver. On va y arriver. Puis peut-être on va pouvoir ramasser un petit peu de... Il reste combien de jours? 5 jours de printemps. On va peut-être pouvoir se ramasser un petit peu de fraises. Pour dimanche. On va y arriver. Puis d'ici là, on aura peut-être appris à pêcher. Rien que dimanche, on peut se faire. Ah, ça se vend pas? Oh ouais, bon, tu vas dégager avec tes écouteurs qui se vendent pas, là. Non, bah, j'ai rien dit, on peut rien se faire, on n'a pas d'argent. Et on n'a rien à vendre, enfin, à part ça, le MySim à la brocante. Voilà, voilà. Et ben... Ah, bah, tiens. Mais non, ça clignotait, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas le ramasser alors que ça clignote? Oh. Oh, c'est vache. Ouh, il y a des choses à creuser. Va creuser. Bon. Ah non, c'est des contempler. Non, bon, on s'en fout. On va pas contempler des buissons qui sont pas mûrs. Hein. Oh, un truc à creuser. Creuse. La dernière fois que j'ai fait creuser quelqu'un sur la plage, je suis repartie avec une poupée vaudou qui vaut 900 simflouz. Alors... Tente ta chance, hein. Tente ta chance. Allez, vas-y, je crois en toi. J'en cherche d'autres pendant ce temps-là. Qu'est-ce que c'est ça? L'heure de mufler, je m'en fous. Champignon, je m'en fiche. Une capsule. Bah, un MySims encore, de toute façon. Voilà, voilà. Hop, une grenouille. Écoutez, on va faire un peu un truc à creuser. Moi, j'en ai plus dimanche. C'est ballot. Creuser. Ce sera pour dimanche prochain, au pire, hein, mais... Ça clignote aussi. Oh, mais va-t'en, là. Oh. Pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus? Non, bah non, ça clignote dans le vent. Creuser... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a creusé par là. Petit. Non, il n'y a rien à creuser par là. Un fossile. Bah, ce sera pour dimanche. Bon, on va peut-être pouvoir se faire un tout petit peu d'argent dimanche. Puis d'ici là, on aura un peu travaillé quand même, j'espère. Ça se ramasse, contempler, non. On va bien aller bosser à un moment donné. Allez, hop. Creuser. Faire l'écureuil afin de pouvoir vendre le stock quand on... C'est le bon plan. Ouais, c'est ça, on va... Je vais tout ramasser. Dimanche matin, minuit, on vend tout. Même les poissons périmés qu'elle finira par arriver à pêcher. Je vous jure qu'elle finira par arriver à en pêcher. Bah, il n'y a plus rien là, je pense. Non, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc, tu vas pouvoir aller pêcher... 2 pièces d'Amélia. Bon, ça va pas aller, on va pas aller loin, mais c'est toujours ça de prix. Allez pêcher. On va bien y arriver. Bon, ça va, là. 310. Demain, elle va bosser. Je sais pas combien elle va récupérer, mais peut-être un petit peu d'argent aussi. Donc, il nous faut 600... Rien que pour les murs. Il nous faut au moins 600 simflouz pour faire 4 murs. Et c'est sans parler de la porte, du lit... T'as mine de rien, quand on commence avec zéro, c'est chaud. C'est chaud. Aïe. On va voir. Alors, qu'est-ce que tu vas nous trouver, là? Et sinon, il fait combien? Toujours 29 degrés, bien sûr. Bien sûr. T'as trouvé quoi? Oh, une capsule, un MySim de plus. Et combien ça vaut, les MySim? 25. Et celui-là? 20, bon,
pas BZF, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, bah une fois qu'on va pêcher peut-être une ou deux fois, puis après on va repartir au parc, on reviendra demain voir où en sont nos fraises, hein, parce que de toute façon on peut absolument rien faire sur le terrain, dans le sens où... Oui, moi aussi, j'aime bien commencer avec peu. Peut-être pas à rien, mais peu. J'aime bien quand, voilà, les débuts du Legacy, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on galère, mais là c'est chaud, ou les débuts de la peau, mais... Même dans la peau, on a plus de choses, quoi. C'est quand même grave. Enfin, c'est la crise, ma bonne dame. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bon, t'as deux en pêche, là. Tu devrais pouvoir choper quelque chose, non? Oui, elle est romantique, mais on n'a pas que ça à faire. Hein. Déjà... Bon, il va falloir qu'on aille. Hein. T'as pêché quelque chose? Oh, t'as pêché un poisson qui vaut 82 simflouz. Est-ce que les poissons se déprécient si on les vend 6 jours plus tard? Quand ils sont bien pourris? Je ne sais pas. On verra dimanche. Parce qu'à 82 simflouz, je le mange pas. Hein. Que nenni. Hein. Le premier poisson. Ouais, Fanny, t'as vu? Je vais l'encadrer peut-être. Qu'est-ce que c'est? Une pièce d'amélioration de cuisine, bien sûr. Hop, 3 en pêche. C'est pas mal, on va en avoir des choses à vendre dimanche, dis donc. Putain, il gêne. Il fait frais, bon ça va. Oh, un deuxième poisson. Ah, si, me trouve. Bon, allez, encore un, puis on y va. Commence à fatiguer. Le banc nous appelle. Allez, vas-y, Philly. Non, tu veux pas. Allez, hop, stop. Ouvre ça et puis on y va. Et ça vaut combien? 9. Bon. J'en ai... Ah, c'est parce qu'il y en a deux. Oui, moi, bon, ça fait 41 simflou, c'est déjà ça. Moi, je dis, t'es parti pour devenir riche. Ouais, je vais devenir millionnaire. Je finis le challenge, je suis à 1 million. Nickel. Dans une semaine, j'ai un palace. Avec piscine et tout. Jacuzzi, truc de fou. Combien il vaut, ça? 65, bien. Allez. Ah ouais, dormir. On est parti pour aller dormir sur le banc du parc, hein, comme tous les jours maintenant. Et se remettre en forme parce que demain, il y a le travail. Allez, il y a la blossom. Alors, j'ai fait ma feignasse. Hein. J'ai laissé la map telle qu'elle était. J'ai rien mis. Peut-être que pour le prochain live, j'irai mettre des petites maisons de la galerie, histoire de... Un parc un peu plus sympathique que celui-là. Alors, fait tout noir dans ce parc. Hein. Ils ont oublié de mettre des lumières. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas en prime, c'est de dormir. Donc, allez, il va faire une sieste. Après, tire à manger. Oh, attends, il y a encore à manger. Attends, non, il reste à manger. C'est encore bon. Alors, on va faire des économies. Prendre une portion. Et puis après, tu vas dormir. Je pense qu'elle va s'écrouler, mais c'est pas grave. Tu aurais dû mettre un restaurant, tu aurais pu piller les notes. Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé, tiens. J'y ai pas pensé. Rosebud, t'es optimiste, la banqueroute n'est jamais loin. Arrête. Oui, j'aurais dû mettre un restaurant, Fanny, t'as bien raison. J'ai pas pensé à ça. Je sais pas, dans toutes les parties, normalement, il y en a qui viennent faire à bouffer au parc. Et là, que t'as besoin de manger, il n'y a personne. Les gens servent à rien, je vous jure. Alors. Ok, elle va dormir. On va laisser dormir un petit peu. De toute façon, il va falloir que je recommence plusieurs fois, je pense. C'est fait exprès, ils se sont passés le mot juste pour t'embêter. Non, mais j'en suis persuadée. Je pense que mes PNJ m'en veulent avec tout ce que je leur fais subir, tu me diras. Ah, vas-y, dors, hein, tu bosses demain. Avec tout ce que je leur fais subir, j'avoue que je comprends qu'ils m'en veuillent un peu et qu'ils fassent pas exactement comme j'ai envie. Tu vas aux toilettes? Hop, se laver les mains. Ouais, on a peau, quoi. Putain. On fait un challenge
sans-abri et une crise financière en même temps. C'est un mixte. Allez, faire une sieste. Ah, c'est passé le... Me fait chier à mettre 15 000 interactions et disparaissent. D'accord, bah écoute. C'est pas grave, j'ai que ça à faire. Vas-y. Ok. Et bonjour Lilou et merci pour le follow. Il n'y a pas encore l'alerte, mais je l'ai vu dans le chat. Donc merci à toi, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. C'est trop bien ce soir, vous êtes... Vous êtes au top pour une reprise là. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hein. C'est vrai que j'étais un peu triste pour que ce soit la fin des vacances, mais franchement, non, franchement, il n'y avait pas de raison parce que vous retrouver, ça vaut les vacances dans le sud. Surtout quand tu tues les chiens, ça suffit, toi. Je tue pas les chiens. C'est pas vrai. Je pensais pas à ça. Je pensais, voilà. Challenge Apocalypse, Challenge Legacy, Challenge sans bébé à ce pauvre Don qui en avait pas demandé autant. Faire une sieste. Allez, on continue. Travaille à quelle heure, moi? Dans 6 heures. Oh, on est large. Ouais. Voilà. Je tue pas les chiens. Par contre, il y a des chances pour que je tue Penny. Ça, on n'est pas à l'abri. Hein. Mais tu sais, Missing, avant de... Comment dire? Quand j'étais en train de choisir quel challenge j'allais faire, j'avoue que j'ai regardé un petit peu les challenges, genre la veuve noire, enfin si vous fallait tuer les Sims, je me suis dit que voilà, pour vous faire plaisir, vu que j'avais cette réputation de tuer les Sims, je me suis dit que peut-être il faudrait quand même que je trouve un challenge comme ça, puis bon, ça m'a pas... J'ai pas accroché, donc je me suis rabattue sur la crise financière, mais j'ai pensé à vous, à me dire on va se prendre un challenge façon tueuse en série, mais... allez, arrête de dormir. Va te faire un truc à manger. J'imagine que les hot dogs sont plus bons. Oui, ça, c'était sûr. Griller. Allez, haricots. Fais-toi des haricots saucisses au barbecue. C'est nouveau, je connaissais pas. Tu as Insta? Oui, j'ai un Instagram. Tu as les liens en fait sous le live. Il y a un truc qui s'appelle Social Links et normalement il y a Instagram. Normalement, si je dis pas trop de conneries, voilà. Non, j'ai pas tué le chien, il est mort tout seul de vieillesse. Ah bah où? Pourquoi tu vas là-bas? Ah oui, aller au travail, pardon. Tant pour moi. Eh ben heureusement qu'il faut pas avoir une promo, hein, parce que... Je pars où, là? Je sais pas. Je m'en vais. Comment ça, le parc, c'est pas ma maison? Mais si, le parc, c'est ma maison. Ah, merci. Putain, heureusement que t'es là. Donc, on est reparti sur les événements. Alors, j'ai complètement mélangé toutes mes feuilles. Je ne sais pas où j'habite. Tableau événement. Voilà. Donc, toujours entre 1 et 26, si je dis pas de conneries. Alors, c'est parti. Il est où, Siri? Siri! Dis, Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 22. 22, ouais, ça. 22, ça tombe bien, je suis à 26, donc 22. Wouhou! Alors que vous passez du bon temps en boîte de nuit, quelqu'un de très séduisant vous offre un verre et vos sens bien enivrés par la boisson vous propose une petite aventure sans lendemain. Comment vous dire? Je pense qu'on va aller faire un tour à la salle de sport, totalement par hasard, et voir si par hasard il n'y a pas Don Lotario qui se baladerait dans le coin, puisque, bah, après tout, Don est là pour ça, n'est-ce pas? Et puis, voilà, donc déjà, on va attendre qu'elle rentre du travail. T'es bien au travail, là? Oui, t'es au travail. Bon, ça sert à rien que je la fasse travailler dur, hein, de toute façon, la pauvre. C'était quoi, déjà? C'était quel numéro que j'ai eu, là? 23, hein? 22. Ah, est-ce qu'il y a un truc à valider? Non, il n'y a rien. Juste, je fais crac-crac et puis c'est bon.
Excusez-moi pour cette petite interruption. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, j'ai une énorme fuite dans mon hall d'entrée qui vient d'une porte qui est fermée à clé, bien sûr. Et il y a tellement d'eau qui est sortie qu'en fait, j'ai été obligée de mettre des serviettes devant ma porte parce que sinon, ça menace d'inonder mon appartement, n'est-ce pas? Donc là, comme c'est moi qui ai appelé pour signaler le problème, c'est moi qui appelle pour savoir comment on rentre, quelle porte c'est. Donc là, il y a le serrurier qui va faire péter la porte, le plombier qui va appeler tout à l'heure pour savoir c'est quelle est où la fuite. Voilà, pardon pour ce... Donc, attendez, je relis le chat, désolée. Il est mort tout seul de vieillesse parce que tu l'as vieilli. Ça, c'est un détail. Je me demande bien pour voir qui, oui, moi aussi. Non, je ne gagne pas d'argent pour le crac-crac, mais ça fait partie des choses que je dois faire. Alors bon, il n'y a pas de pénalité si je ne le fais pas, mais bon, la pauvre, déjà, elle vit, elle dort sur un banc, on peut bien lui faire plaisir avec ça. Oui, il faut dire au monsieur que son appel est enregistré. Oh, ça va. Je suis pas non plus. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de non plus. Après, je ne suis pas gardienne d'immeuble, hein, merde. Je veux dire, je n'ai pas géré... Déjà, je les appelle, je les préviens, il est quand même 22h30, j'ai un peu autre chose à faire que de gérer une fuite, quoi. Hein, ça va quoi, il y en a ras-le-bol hein. Alors on en était où nous? Donc au travail, après on va aller faire un petit tour à la salle de sport. Bah en fait j'ai choisi la salle de sport pour prendre une douche surtout. Oh, donne, c'est un hasard, c'est un heureux hasard. On peut rien faire là-dessus de toute façon. Mince, j'espérais que t'allais oublier le son. Eh ben non, j'ai pas oublié le son. Je savais que... Non, bah, tout à l'heure, j'avais le déco, par contre. Non, il n'y a pas eu de problème technique, quasiment. Tout a bien commencé comme il fallait. Donc voilà, non, c'est bon, ça va. J'ai assez de galères ce soir, là, rien qu'avec la fuite d'eau. Puis alors, en plus, devant moi, c'est-à-dire que je suis sortie, en fait, pour aller récupérer une bassine dans ma voiture. C'est une vie passionnante. Et au moment où je sors de mon immeuble, je vois une énorme flaque d'eau qui sort de dessous la porte du local d'entretien et qui m'agresse et qui vient vers moi comme c'est une espèce de grosse flaque d'eau. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, et puis j'ai vu la flaque d'eau qui grossissait. Donc j'ai tapé chez ma voisine pour lui dire attention à votre paillasson, puis mettez une serviette, et du coup j'ai fait pareil parce que toute l'eau vient chez moi bien sûr. Du coup, elle est revenue. Allez, direction la salle de sport. Combien on s'est fait? 422. C'est pas assez encore pour se construire une maison. Direction la salle de sport. Je sais plus où elle est. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, il y en a une partout. Hop, bam. La bassine était ainsi, c'est ça. En fait, j'ai été chercher une bassine parce que là, vous savez pas, parce que forcément, vous voyez que l'eau. Mais en fait, j'ai mes pieds dans une bassine d'eau. Qui était fraîche à la base, bon là elle est plus fraîche du tout, mais j'ai mes pieds dans une bassine d'eau pour essayer de rafraîchir un petit peu, pour rafraîchir l'ambiance. Donc voilà, c'est les petits secrets de fabrication. Bon, allez prendre une douche en attendant que Don arrive. Enfin Don, je dis ça comme ça. Par contre, où est-ce qu'on va aller faire crac-crac les gars? Dans le buisson devant chez moi peut-être. Crime, elle fait trempette, oui c'est ça. C'est bien ça avec les lives, en fait, comme vous voyez que le haut, en bas, je peux faire ce que je veux, personne ne voit rien. Ah, il est là, bonjour. Oh, bonjour monsieur, mais quelle surprise. Dragueuse, on va attaquer direct. Mais quelle surprise de vous trouver ici. Vraiment, je m'y attendais pas. D'ailleurs, en parlant de Don, je sais pas si vous connaissez GGO du forum officiel, mais... elle a fait une vidéo, si vous me suivez sur Twitter, j'ai fait un tweet dessus cet après-midi, il faut absolument que vous alliez la voir, elle est juste magnifique, elle a fait une maquinima sur, en fait, sur le triangle amoureux, Don Lotario, Sonia Gothic et... enfin, les Gothic et Don Lotario, et la vidéo est juste extraordinaire. Alors, et toi tu sors comme ça. Genre l'air de rien. Bonjour monsieur. Oups, j'ai laissé tomber ma serviette. T'as raison, fais-toi plaisir. Draguer. Ah vas-y, on y va direct, on n'a pas le temps là. Voilà, vous êtes romantiques tous les deux, ça devrait passer. Nickel. Voilà. On va pas trop... Il se fait pas trop prier, Don. C'est ça qui est bien avec lui, c'est que ça se passe toujours cool. Enfin, je veux dire...
Y a pas d'embrouille. Qu'est-ce que c'est? Ah bah direct, il m'embrasse. Non mais... Alors ça, franchement, on me l'avait jamais fait. C'est pas mal, écoute. Donc j'ai quand même le premier baiser à faire. Ah si, il faut que je refasse le tirage, c'est vrai. Sinon, je peux pas aller bosser demain. Alors attends, donne. Excuse-moi, on est en pause. Donc, putain, je sais jamais. Un coup c'est 26, un coup c'est 21. 25 a priori, c'est ça. 25, à moins qu'il me manque une page. Ah non, c'est 26, je crois. Bon, je sais pas où est le 26, j'espère que je vais pas tomber dessus. Mon téléphone, il est là. Dis Siri, peux-tu me donner un chiffre entre 1 et 26? Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 26. Ah là, bien sûr, il me donne la surcarrière que je sais pas où je l'ai mis. Attendez, excusez-moi, il y a trop de feuilles, hein, je suis perdue. Je vous jure, je vais mettre de l'ordre dans mes feuilles pour le prochain live, mais là... Alors, attendez. Je ne sais plus quel métier c'est. Événement, on s'en fout. On n'y est pas encore. Ah ! Est-ce qu'il y a un métier 26 au moins ? Ce serait con. Je sais plus. Ah, c'est à 7h qu'il faut faire le tirage pour le taf ? Mais alors à 7h, demain matin en fait ? Ou à 7h là ? Enfin, à 7h le dernier jour de travail ou à 7h le lendemain quand... Ouais, mais en fait, je peux pas faire des paquets parce que y a des tableaux qui sont sur deux fois la même... Enfin, des fois, j'ai des feuilles où il y a deux tableaux pareils. Enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre. Du coup, c'est à 7h. Est-ce que c'est à 7h le lendemain de ma dernière journée ou à 7h le matin de ma dernière journée? Parce que si c'est le lendemain de ma première journée, du coup, je perds un jour de travail à chaque fois. Ou alors c'est 7h le matin du lendemain. Bon bah alors c'est bon, je retirerai les dés. C'est pas pour tricher parce que je trouve pas ma feuille, je sais plus c'est quoi le numéro 26. Donc tant bien, c'était un bon job, mais tant pis. Donc on verra demain matin. Et comme par hasard, elle a choisi Don. Alors vous remarquerez quand même que c'est lui qui m'a embrassé direct. Enfin je veux dire, j'y avais rien demandé. Direct, il m'a embrassé. Je veux dire, il y a quand même quelque chose. Voilà, elle était restée dormir, elle peut être déçue. Vu à quoi ça ressemble chez moi. Bon, bah, il va pas dire non, hein, a priori. Dormir ici, ouais. Bon, bah, aller quand même dormir à un endroit où on peut faire. Où on peut aller visiter le buisson. Alors. Ils vont dormir dans un buisson. Fais ce qu'on peut, hein. Écoute, hein. Moi, c'est pas de ma faute, j'ai pas de lit, hein. Et puis, c'est pas moi qui ai décidé que. Merde, j'ai pas pris le bon. Mais trompé. C'est pas moi qui ai décidé qu'il fallait qu'elle fasse crac-crac, là, direct, hein. Bah oui, bah prends Don Lotario, c'est plus facile pour faire crac-crac si tu veux. Tu tires à 7h, tu fais le nombre de jours à louer. Exemple, le lundi à 7h, tu tires 3 jours de taf. Le jeudi matin, tu retires les... Donc ouais, lundi... Ouais. Ouais, mais sauf que si tu tires à 7h, le jour même, ça marche pas, si, je crois. Je sais pas, je sais jamais. Bon, allez, viens, Don. Attends, il est par où? Il est là, hein. Moi, je vois plus. Je sais plus où est mon arme. Bah merde. Bah si, il est là. Ah voilà. Non, on va pas faire un bébé, c'est bon là. Pas d'argent. Droite du panneau. Oui, voilà, c'est ça. Ah si, ça marche. D'accord, ok. Non mais t'inquiète, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ok, bah donc demain matin, 7h, faut pas que j'oublie. Tirage au sort et on se trouve un métier sympathique. Voilà. Non mais je vais faire du tri dans mes papiers parce que c'est le bordel là. Je pensais pas que j'allais avoir autant besoin. Allez hop là. Emballer, c'est peser. En tout cas, il y a un truc hein, entre Don et Penny parce que c'est la première fois que quand je drague un Sims, c'est le Sims en face qui décide de faire le premier baiser comme ça, spontanément. 7h métier, 10h chance. Faut pas que j'oublie en fait.
faut pas que j'oublie. Alors... Magnifique, feu d'artifice et tout, c'est 14 juillet. Voilà. Bah écoute, hein, c'était sympa, donne, maintenant je te laisse, hein, je repars au parc, parce que... Bon, j'ai un métier. Ah non, il y a peut-être des trucs à faire là, attends, ressors, reviens. Reviens, Georgette. Non, bah t'as rien à faire dans tes plantes, lui il se barre de toute façon, hop là. Allez, direction le parc. Je trouve que mon écran est tout sombre. Attendez une seconde, je vérifie juste un truc. Est-ce que je l'ai baissé la dernière fois? Oh, ça y est. Ah bah non, je suis à 100% de mon écran. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir l'écran tout sombre. Bref. Alors, Willow Creek. On repart à la maison. Il y en a, ils ont des maisons, moi j'ai un parc. Voilà. Non, bah, le stone, oui, mais on s'en fiche. Oublie pas d'ouvrir, ça se rafraîchit. Ça se rafraîchit dehors. Oui, je vais aller ouvrir. J'attends 23h et puis à 23h, on se fera une petite pause de genre 2-3 minutes, hein, pas longue, mais juste le temps que je change l'eau de la bassine, j'ouvre un peu les fenêtres et... Parce que moi, techniquement, j'ai toujours 29 degrés, donc voilà. Je me resserre un petit coup à boire et... Attendez, je vais regarder tout de suite combien il fait dehors. Je suis désolée, hein, mais la canicule est un vrai problème. Il fait 26, génial, je vais pouvoir ouvrir dehors. Donc on va se finir la nuit, choisir le métier tranquillement et puis après on fera l'eau de la bassine. Oui, c'est important, hein, faut que je change l'eau de la bassine, que je change l'eau de la bouteille. J'ouvre les volets, les fenêtres et on n'en parle plus. En plus, je suis au rez-de-chaussée, c'est magnifique. Donc en fait, toute la rue... va pouvoir suivre le live. Je pense que les voisins qui dorment les fenêtres ouvertes vont être heureux de suivre ce live avec nous. Voilà. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Sonia Gothic. Eh ben dis donc, va falloir appeler Christine, hein, ma belle. Hein, parce que là, là il y a un souci d'accessoirisation. Hein. Sinon, pour revenir à nos moutons, toi, tu vas aller manger. Allez, fruits grillés, pour une fois. Elle a changé, Sonia. Ouais, c'est plus que c'était, hein. Et bon, bah, Tomic, ça, franchement... franchement, ça on perd en qualité, quand même, hein, parce que là, au niveau du look, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Bon, on s'en sort pas trop mal. 408 Team Flouze, on est mercredi. On a presque fait la moitié de la semaine. Bientôt dimanche. Et puis, il y a des fraises qui vont peut-être finir par pousser avant la fin du printemps. Non, c'est bon. Ça va le faire. Je pense que dimanche, on pourra peut-être s'acheter une maison. Peut-être pouvoir arrêter de... Je suis pas sûre qu'on puisse acheter un lit et de quoi faire à manger. Donc, je pense qu'on va encore squatter le parc un peu, mais... prendre une portion et puis après t'iras dormir un petit peu, faire une sieste jusqu'à 7h demain matin que je te trouve un travail. Ouais, elle a changé. Hop, allez au lit. Une maison, t'es gentil, c'est une cabane. Ouais. C'est un foyer quand même, tu sais, peu importe la taille, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est il paraît, voilà, donc je pense qu'il lui faut au moins une... Non mais dors. Vas-y, dors. Allez, vas-y. Voilà. À 5h, enfin à 7h, on s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Jour de loterie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Adam, hein, allez, hein, trop tentant. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Ouais, mais ça, je suis pas sûre que j'ai le droit. Non, ça, je dois pas avoir le droit, ça. Donc, on va pas le faire. Allez, il est 7h. Bon live, les gens, je dois partir, boulot demain. Pas de soucis, merci d'être passé. C'est très gentil à toi. Bon courage pour le boulot demain.
Et puis à très vite sur la chaîne, merci beaucoup. Donc on reprend Siri. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 21. Ouais, tu peux pas me donner 21 tout à l'heure, toi. Alors, 21. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que j'ai un métier qui dure 2-3 jours quand même. Oh, bah tiens, je suis auteur freelance. Je vais donc travailler 3 jours. Le salon du livre est en ville pour quelques jours et les écrivains en herbe sont mis à l'honneur. Durant cette période, vous pouvez auto-publier vos livres. Donc, j'ai bien envie de prendre ce métier pendant 3 jours et d'aller passer ma journée dans le terrain d'intérim, là, et pour écrire des bouquins. Ouais, ça peut être sympa, ça. Alors, réveille-toi. Viens avec toi. Réveille-toi. Trouve le travail tout de suite. Ah, j'avais pas démissionné, merde. Oh, c'est pas grave. Trouve un emploi. Je sais pas s'il fallait démissionner ou pas, remarquer. C'est pas, de toute façon, changeant d'emploi. Ça marche. Je viens de regarder pour la peinture. Oui, j'ai bloqué dessus. Il n'y a rien d'indiqué de particulier, donc à vendre au marché ou quand tu as le job en question. Bon, bah, ma foi, on tentera, hein. On a dit auteur. Voilà. Hein? Oui, oui, elle doit se lancer dans la carrière. Par contre, là, je travaille que dans 3 jours. Donc, le jour même, vous voyez, ça, tu vois, ça marche pas. Il est 7h du matin et pour aujourd'hui, il veut pas que j'aille travailler. Par contre, là, il écrit travail dans 3 jours. Donc, on est d'accord que je compte que 3 jours travailler. Donc là, les 3 jours de repos, je les compte pas. Hein, on est d'accord. Parce que sinon, c'est un peu dégueulasse quand même. 3 jours où je vais pas bosser, c'est dommage. Et puis du coup, il me l'a pas compté quand même. Je peux pas aller bosser aujourd'hui alors que c'est un jour travaillé. C'est moi qui ai un bug ou c'est normal? Enfin bref. De toute façon, c'est fait. On va pas. Ça fait partie des questions qu'il faudrait que j'aille poser quand même. On est d'accord, ok. Du coup, bah, puisque ça va plutôt pas mal. Ah oui, à 10h, il y a l'événement. Bon, tu vas aller faire un livre déjà, là, en attendant, parce que ça va faire un peu d'argent. Bon, ça rapporte pas grand-chose au début, les livres, mais... Alors, j'ai mis à côté de la maison. Ah, c'est bien, c'est qu'avec tous les jours de congé, je vais pouvoir auto-publier beaucoup de... Oh mon Dieu. Alors, lui aussi, il vit là en habit d'hiver. Hein. My God. Putain, je l'aime hein, pourtant, mon Don, hein, mais là, il est vilain aussi. Hein, pire que Sonia. J'aurais dû prendre une photo de Sonia tout à l'heure. Mais... Ouais, c'est bizarre, le métier te fait peut-être commencer trop tôt pour être pris en compte. Tu mets le... Bah, moi, j'avais souvenir que le jour même, tu allais jamais travailler ni à l'école. Quand les enfants, ils grandissent dans la nuit, même à minuit ou 1h du matin, ils vont pas à l'école le premier jour. Donc, c'est pour ça que pour moi, il fallait tirer la veille, mais j'irai poser la question sur le forum après le live. De toute façon, on n'a pas trop avancé, donc... Bon, alors... Écrire. Écrire un livre de genre pour enfants. Allez, let's go. Voilà, c'est parti. Voilà, bonne nuit, lueur de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah alors c'est ça, on perd un jour, c'est tout, hein. Si c'est la règle qui est comme ça, ça veut dire qu'on perd un jour entre chaque... ça doit être un jour de recherche d'emploi, je sais pas. Je suppose. Bon, alors il va être 10h. Donc hier, on a fait événement. Donc aujourd'hui, on va faire chance. Ouais. Alors j'espère qu'on va bien tomber. Donc, dis Siri, peux-tu me donner un chiffre entre 1 et 26? Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 2. 2, magnifique. Alors, hop. Alors, je suis bien dans les événements. Voilà, non, pas événement, on a dit chance. Parce qu'hier, on a déjà fait événement. Je sais plus ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Oh, putain, je sais pas. Il vient de me dire quoi là, Siri? J'espère que vous avez écouté parce que je me souviens plus. Il m'a dit combien?
Oh la blonde, 22. Merci Fanny. Merci. J'ai un peu honte des fois de moi-même. J'en peux plus de moi, vous savez. C'est pas facile. Et pourquoi pas un cactus? C'est l'anniversaire... Oh putain. C'est l'anniversaire de votre grand-mère. Et votre mère insiste pour lui faire un beau cadeau, même si cela doit faire mal à vos économies. Déduisez 750 simflouzes de votre foyer. Ah non, c'est le 2. Ah non, oh merci. Merci, merci. Putain. Bah, le 2 est peut-être pas mieux, hein, mais... Ah bah si, c'est mieux. Merci. Putain, j'ai eu peur. 2, erreur de la banque en votre... Ah non. T'es sûr que c'était pas 22? Erreur de la banque en votre défaveur. En consultant vos relevés de compte, vous réalisez que quelque chose cloche. Et vous maudissez votre banque qui refuse de vous rendre votre argent. Déduisez 1000 simflouzes de votre foyer. Voilà, je suis donc en dette de 592 simflouzes. Oh my god. Alors, il va quand même falloir les noter quelque part, hein, ces sous que je dois, parce que sinon je vais oublier. Allez, on va prendre le joli calepin Maxi. C'est prêt. Donc, on va se mettre à zéro, hein, puisque voilà. Et je leur dois donc, si je sais bien compter, 592 que je dois rembourser avant mercredi prochain. Voilà. Écoutez. Je pense que c'est le moment, comment dire, je dirais qu'une pause s'impose. C'est le moment d'aller se rafraîchir un petit peu. Bonne nuit Fanny, merci beaucoup d'être passée. Donc je fais une petite pause de, allez, 5 minutes maxi, juste le temps d'aérer un petit peu mon appartement et de me resservir à boire tout ça. On se retrouve dans 5 minutes. J'ai un peu pitié de vous parce que j'ai pas eu le temps de refaire mon écran de pause, donc je vais pas vous remettre le karaoké parce que j'ai pitié. Je sais que certains ont les oreilles sensibles et que mon Sims et celui de Don chantent assez faux, donc je vais vous mettre sur l'écran de le compte à rebours que j'avais mis tout à l'heure pour lancer le live, et puis voilà, comme ça on va se mettre 5 minutes de compte à rebours et puis voilà. Donc il est 20h55, on va dire 22h. Voilà, 22h. Hop. Et je mets le compte à rebours et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite, les amis.